Rodrigues possède une belle couverture forestière. Depuis sa découverte par les Portugais, l'île possédait une végétation riche et abondante. Mais avec le nombre grandissant d'humains sur l'île, les bois ont été exploités pour des usages divers. Tout comme certains animaux sur l'île, à l'image du solitaire, certaines espèces de plantes ont disparu de la flore locale. La faute à la surexploitation des ressources par les humains. Depuis cette dernière décennie, une nouvelle conscience afin de restaurer la faune et la flore à Rodrigues est en éveil. L'île Rodrigues étant une île tropicale, elle fait souvent face à de longues périodes de sécheresse, mais aussi de cyclones dévastateurs. Une situation qui affecte grandement la couverture végétale de l'île. Ainsi, dans les années 70, pour faire face à la sécheresse et contenir l'érosion des sols fertiles, un programme de reforestation a été initié à travers l'île. Des milliers de plantes d'Acacia nilotica ont ainsi été mises en terre. Celle-ci a permis de recouvrir plusieurs hectares de terrain. Mais cette plante se révèle aujourd'hui être une peste végétale et envahissante. D'où une campagne pour essayer de l'éradiquer. Le service des forêts de l'Assemblée régionale s'est engagé dans un projet de reboisement de l'île. L'objectif étant de restaurer les forêts à travers l'île. Un exercice qui consiste à remplacer les plantes envahissantes par des plantes endémiques. Des projets de restauration ont lieu dans plusieurs régions. Un des sites le plus marquant, c'est celui de Cascade Pigeon, au centre de l'île. Là, nous, dans Cascade Pigeon, c'est un endroit qui est proposé pour une nature réserve de l'avenir. Et alors, nous commençons un travail de restauration, c'est-à-dire. Cascade Pigeon, il y en a quasiment 200 hectares. Mais là, pour le moment, nous travaillons à peu près une cinquantaine d'hectares. C'est-à-dire, la majorité du travail est fait avec une approche communautaire. Ce qui, beaucoup disent, on appelle forêt communautaire dans Rodrigues. C'est pour nous, dans le terme officiel, c'est plutôt une approche communautaire. C'est-à-dire que nous faisons un contrat avec la communauté qui, dans les environs de Cascade Pigeon, on peut dire citronnelle, vanguard, les choux, soupir. C'est un contact que l'Assemblée régionale fait avec sa bande village pour qu'ils plantent une petite plantule qui nous livre les autres, avec bien sûr un petit paiement à la pluie. Dans ce projet actuel, là, c'est-à-dire sa campagne de plantation qui nous fait actuellement, là, nous sommes dans 4 villages, mon petit pédiatre est là, 4 villages qui découvrent sa, fait sa bonne activité plantée là. Et bien sûr, moi, j'ai des collègues Pavane et Patrick Perrine qui les supervisent un travail au terrain. Alors, dans cette première phase-là, nous avons 75 000 plants qui nous mettent en terre dans la première phase-là. C'est-à-dire que nous avons 4 communautés, et 18 750 par communauté. Et dans la deuxième phase, nous pouvons mettre 20 000 plants, c'est-à-dire en tout 95 000 plants qui nous mettent dans Cascade Pigeon dans sa saison plantée. Là. Si vous êtes bien les tourneaux, là, nous planter, mais nous avons une équipe bicheron qui travaille dans cet endroit-là. Et quand nous disons bicheron, c'est-à-dire un monde qui coupe du bois. Alors bien souvent, moi, j'ai envie de caricaturer, bien souvent, nous avons une petite question dans le public, mais qui fait forêt supposée planter, mais forêt qui coupe du bois. Alors, moi, juste pour clarifier, c'est que nous pouvons éliminer un bois spécifique, c'est-à-dire nous pouvons éliminer un exotique, ben du bois qui est envahissant, et nous pouvons remplacer d'autres par ben des plantules endémiques ou indigènes. So, premier résultat, quand je commençais le travail ici, c'est que la terre est dégradée ici. La terre est marée dégradée ici. Donc, étant une coupe du bois, c'est-à-dire la lumière soleil nous coupe du bois, là, un pourcentage, nous ne quittons pas 30 ou 40%. Où vous trouvez que la lumière soleil pour pénétrer plus facile. Un, l'herbe pour pousser, c'est-à-dire quand l'herbe pousse, il stabilise la terre. Et deuxièmement,
Vous connaissez nos pays, c'est une vocation agricole et fermier, tout ça là, tout ce qu'il y a à faire. En même temps, beaucoup de forages gagnent ici. Dans les conditions dans partout dans les forages, dans les cascades bison, il reste toujours une réserve pour fermier. À ce fait, ça là, comment tu dis, la poche communautaire, il y a plus loin encore. Dans sa projet pour faire cascade prison, il y a une nature réserve là. Nous avons même plan pour développer même un verger, c'est-à-dire nous pour introduire un plan, un arbre fruitier, un ce qui dans une nature réserve, nous sommes capables de gagner. Nous connaissons la sauve-souris, sauve-souris dans cascade prison, un sauve-souris pour gagner manger et les surplus, bien sûr, la communauté est capable de gagner pour servir. Okay. Et nous avons aussi un projet pour nous produire l'herbe, forage, hein, forage pour ban village alentour, ban éleveur alentour, capable venir prendre aller, venir prendre aller, pas venir mettre des animaux dans ce genre, venir prendre aller. Et puis à la fin de la journée, vous pensez tout le monde peut sortir gagnant. Le projet consiste à refaire la forêt Rodrigue. Parce que la cascade bison, nous trouvons que ce pas en endémicité, il y a assez intense, il y en a beaucoup de plans endémiques ici. Et ajouté à cela, il faut nous faire une première test qui nous fait, quand nous commençons à mettre à ajouter un plan là-dedans, nous trouvons que ça marche. Donc, il y a un endroit propice pour nous faire, il y a une nature réserve, comparé avec plusieurs endroits au qui risquaient. Les plus compliqué pour faire ça. Et aussi, les projets aussi, ils consistent à, dans sa grosse approche communautaire, là, dans ce projet-là. C'est-à-dire, un, dans l'avenir, ils peuvent venir cacher touristique, tout. Surtout, nous pouvons target ça village aux alentours, là, c'est-à-dire Soupir, Montlubin, Les Choux, et Vanguard, Citronelle. Nous pouvons target ça ban dans sa projet touristique là, c'est ça man Dimouna qui pour privilégier là-dedans. On a même différents thèmes qui nous servent. Par exemple, cascade pigeon, nous pouvons faire avec une approche communautaire. C'est-à-dire, nous pouvons faire une nature réserve avec une approche communautaire, c'est-à-dire coup de main dans la communauté alentour. Et en même temps, nous avons un projet qui nous peut faire, par exemple, en Montagne-Limon, pour nous faire une ville alentour même. Mais Montagne-Limon, nous ne pouvons pas faire une nature réserve pour le moment. Et nous pouvons faire aussi un autre projet qui s'appelle Beach Restoration, c'est-à-dire que nous pouvons mettre. Nous payons, parce que si nous trouvons bien, tout nous la place, Rodrigue, c'est 10 fil à eau. Alors, fil à eau, oui, il est pour protéger l'ambroise, mais tout fil à eau là, il est même là, donc, demain, il y a une catastrophe. Fil à eau, il ne risque pas de stabiliser la place, il risque de nous gagner la place tout nu, qui peut n'en rien pied. Donc, graduellement, nous payons ajouter un plan qui est résistant, un plan qui sortit un peu l'eau. La côte même, qui peut adapter avec ça en climat pour la côte là. Nous pouvons réintroduire ça dans un plan endémique ou indigène. Et aussi, nous sommes capables de mettre un des exotiques aussi, qui, bien sûr, qui n'est pas un plan qui est envahissant, qui pour créer un problème, pour compliquer la situation demain. Donc, nous pouvons faire ça. Et vous trouvez, c'est toujours dans la poste communautaire qui nous pouvons faire ça. C'est-à-dire, nous pouvons. Toujours avec un petit contrat avec la communauté plus près que nous projet de faire, nous pouvons faire la communauté. En fait, nous pouvons mettre la communauté dans les bains. En majorité, c'est les parcs forêts qui peuvent produire, mais encore une fois, c'est une bonne partie aussi faite par différentes communautés qui nous donnent d'autres incentives. Par exemple, nous donnons d'autres polytènes, nous donnons d'autres la terre si besoin, et tout pour amener à passe d'envoi avec nos conseils, nous avons une petite plantule, nous mettons de la polytène. Après, nous achetons ça avec d'autres. Après, la commission achetons ça avec d'autres.
Et bien sûr, nous refaire un traitement avec bande plant là et nous réintroduire dans nos forêts. Et comment vous pouvez trouver là, beaucoup de gens qui passaient, souvent je pose une question, je dis, mais qui fait plant de bande plant aussi près que ça? Donc tout ça là, il y a une raison scientifique derrière ça, si vous avez distance de bande plant, il y a une raison scientifique derrière, c'est-à-dire qu'en anglais, nous disons ça, the fittest will survive. C'est-à-dire nous mettons assez concentré pour ce qui est plus fort pour émerger du lot, pour à la fin, nous pouvons une forêt qui est assez consistante. Dans l'ensemble, les gens là, quand vous trouvez tout, vous trouvez qu'ils ont tout pour être satisfait avec ce qui peut dérouler la cascade pigeon. La communauté n'est pas forcément connaît comment ça passe. Comment planter, comment qui va nous faire prendre avec un petit plantule qui l'amène nous. Parce qu'il n'y a pas dans notre quotidien, dans la communauté, plus ou moins pour mettre un plan pour manger, mais ici, c'est différent. Donc, c'est pour ça que moi, je suis officier qui, tous les temps, là, présent pour donner un coup de main, pour moniter le travail au terrain. Les membres des communautés villageoises avoisinant le site sont activement engagés dans le projet. Posé là. Je ne sais pas si là, mais sinon, nous venons d'en bois, nous faisons tailler pour nous gagner des choses, nous faire briser. Après, là, nous finissons faire briser, là, nous fouillons, nous fossés, là, nous planter. Et pour vous, justement, qui vous pensez de cette initiative, Madia, qui vous peut participer, vous aussi, vous peut refaire la forêt ici, là, et comment vous trouvez ça? Toujours, moi, tout dit bon, parce que. En fait, nous bannons pour revenir pour trouver un bon travail dans la forêt là et ça travaille. Moi, tout veux dire mais supposez si vous aimez plus en phrase le projet là. Et là, maintenant, quand vous êtes le projet, quand vous êtes arrivé, quand vous avez le travail que vous avez fait, c'est un peu qui sentiment comment dire dans votre. Bien sûr, un plaisir pour nous guetter qui travaille qui nous fait et c'est espéré ça travaille la marche comme ça. Village soupir, nous gagnons ça travail là au niveau du comité village, ben nous plantons du bois, nous venons pour planter, mais seulement les arrive là, nous pas gagner place pour nous faire fossé, nous disons amène sable, nous amène fossé, nous amène pioche, nous amène nos sacs, nous disons coupe l'herbe, nous amène fossé, nous taille l'herbe, nous coupe bande du bois qui pas supposé, contre bande pied endémique comme ça, là nous détruit lui. Là, nous plantons nos plants endémiques. Nous, bien, depuis les démarches, nous, dans le bois. Et justement, comment ça passe pour vous autres, là, vous autres, l'équipe, vous autres, travail, là, depuis que vous avez commencé ici, comment vous trouvez ça passé, ça, l'expérience, là, pour vous autres? Enfin, il y a une expérience qui nous travaille en équipe. Vous nous réussissez à travailler en équipe. Nous venons, une équipe fouille fossé, une équipe sailler plan, une équipe couvert, une équipe mettre plan là dans le fossé. Nous travaillons l'équipe pour nous réussir à arriver. Si nous travaillons chacun pour lui, nous ne va pas arriver. C'est la façon qui nous réussit le travail. On peut planter un peu de vacua. Comment on a des gens qui font artisanat, vous pouvez gagner des vacua, vous autres travaillez. Et puis, on plan comment on a des signes, ça nous quitte lui. Parce qu'il y a des souris, dans la place d'autres les autres pouvaient détruire nous. Mais on tout nous fouille. Il y a des fouilles dans la forêt. Et puis, dans l'autre plan, qui nous faisait comme faire l'artisan, on a des tout enfin. Satisfait, nous travaillons en équipe. Comme dit, quand la pluie nous vient, le soleil nous l'a fait travailler. Nous passons très bien. Nous venons ici, nous venons travailler en équipe dans le comité village Soupir parce que plusieurs ben, madame nous viennent travailler. Nous tous nous travaillons ensemble. Quand la pluie nous vient, nous venons grand matin si la pluie nous. Nous coupons nos bonnes lèvres, nous faisons des mirailles, nous rendons ça. Après, nous plantons des bonnes vacances pour des artisanat. Nous nettoyons, nous passons en place pour nous mettre plan, nous piocer, nous ramassons l'herbe, nous mettons des mirailles partout pour nous gagner place pour nous mettre nos bonnes plans. Je suis bien content du travail que nous faisons là. Pour les gens qui ont l'exemple dans le travail que nous faisons là.
pour aussi capable nous plante va quoi pour bon artisanat nous plante ban médecine bois sirop nous plante aloe vera plusieurs plants en ligne. Pour mener à bien ces projets, différentes équipes des services de forêt sont sollicitées. En fait, nous, l'équipe, nous avons pour but pour mettre en ordre tout le bois qui est un bûcheron fini coupé. Et c'est-à-dire, première étape, qui consiste dans le bûcheron, abattre les arbres qui sont en paix soleil, pénétrer pour qu'ils soient des arbres. Comment nous pouvons trouver ici, là, les autres grandis. Et nous, premièrement, nous avons assis à la sécurité de l'équipe, nous laissons le bûcheron finir couper, détailler. Et puis, nous passons, nous ramassons tout le bronze, nous étalons ici bien propre. Et là, après, dans la troisième étape, il y a des gens qui plantent des plantes. En fait, c'est le fait que Rodrigue, avant, nous avons grandi, qui nous raconte nous comment Rodrigue était. Il y en a beaucoup, ben pied, mais avec développement, il y en a beaucoup, déforestation. Et là, il y en a beaucoup de plantes qui commencent à disparaître. Mais là, au fur et à mesure, nous pouvons essayer de rétablir l'écosystème, remettre des plantes qui pour vraiment nous, une génération qui peut venir après. Nous sommes capables de connaître qui sont les choses qui tiennent dans nos îles et aussi pour donner l'exemple pour qui sont les gens mettent l'emphase beaucoup sur la plantation et surtout là nous donne une période où nous trouvons beaucoup de gens qui sont dans la plantation. Mais nous, dans la forêt ici, nous pouvons faire le maximum pour que Rodrigue regagne respirer. Ce sont les officiers des services de forêt qui effectuent la supervision des travaux sur le terrain. L'objectif principal du département forêt, c'est qu'il nous assure qu'il y a une couverture forestière. Et comme vous remarquez, c'est qu'il y a une cause, il y a beaucoup de plantes endémiques qui nous mettent. Le but principal, c'est qu'il nous envie qu'il y ait une réserve naturelle. Il y a une représentation, nous Rodrigue longtemps, nous Rodrigue l'origine. Parce que nous avons une plante origine, nous sommes adaptés avec conditions climatiques, nous sommes résistants, même cyclones, nous sommes plus difficiles, mort. Et nous sommes servis comme un habitat pour nous avoir la faune endémique, comme un serin jaune, sauve-souris, long bec. L'Assemblée régionale, l'île, servit la prose post-participative, quand il inclut un villageois. Un côté, c'est qui l'île favorise la socialisation, comment le dire, entre les villages même, il crée une atmosphère familiale. Deuxième côté, ben, il y a aussi un petit revenu. Et sur l'autre aspect, c'est qui nous paye. Guetter l'aspect environnemental. Comme on dit, nous assurer que nous avons une forêt. Et techniquement parlant, nous, en tant que techniciens, comme moi et M. Perrine, M. Daniel, tout, nous, c'est qui nous guide ben du monde là, dans quelle façon nous devons planter. Et dans le département forêt, nous philosophie, parce que comme on dit, pour nous, ben, plantes, c'est nous, ben, nos enfants. Mais je vous explique du monde l'amour pour planter une plante. Vous trouvez où même quand vous avez son manière y était. On va demander planter une pousse, une plante de l'amour. Parce qu'il nous explique ben du monde là qui vaut mieux qu'il commence à nous planter les pousser, qu'il nous plante les, il va vous pousser. Et sur l'autre côté, l'importance d'une réserve naturelle. En part qui commence à dire à l'avenir demain, nous puis attendre que la commission nous garantisse des revenus. À travers une visite, parce que, comme nous disons, il y a une partie là-dedans pour faire une section récréative. Il y a un autre aspect que nous sommes capables de faire l'éducation. Pour que beaucoup de fois, nous avons la grande montagne, la cascade, en ski tour. Mais ajouté à ça, il y a déjà une réserve naturelle. Là, nous pouvons trouver qui
Cascade Pison, il y a amplement, il y a un potentiel pour devenir une réserve naturelle. Là. Et ce qui est important, c'est qu'il y a taux de réussite ici, il est capable de dire qu'il est là 90%. Il existe qui, après qu'il nous finit de planter, comme M. Perrin Ndiaou, c'est qu'il nous a besoin de monde qui prend l'histoire. Il paraît que même les enfants. Hein. Il paraît que là, vous trouvez, ou bien, mais, qui fait nous pencher tout un seul coup. Des ombres mais nous quitte lui d'une façon une perspective que plan là il est dans une autre condition là bas parce qu'il y a autant soleil à ce moment là prendre nous mettre lui dans en plein air comme un gros soleil fort il risque de mourir là nous garde d'une façon que nous pas envie comment dire un érosion et à la longue nous boutier lui nous boutier ben un pied exotique là quand les bâtiments forêt peut faire un affaire nous peut faire une brosée l'assemblée régionale peut faire une brosée. Il peut investir pour sauver. Un de nos menaces pour nous pour commencer nous assurer une couverture forêt, c'est un ça facteur animaux là. Si peine en barrage animaux ils peuvent rentrer. Bien que ça nous mette en barrage, nous disons les peuples coopérer avec nous parce que nous pouvons gagner beaucoup de bénéfices là. Nous travaillons nos deux phases, c'est-à-dire première phase nous avons 75 000 plans pour mettre et deuxième phase, 20 000 plans. Alors là, nous quasiment terminer nos première phase, c'est-à-dire nous mettons quasiment, sous correction, ben là, nous mettons quasiment 70 000 plans, nous finissons de mettre nos 75 000 plans. Donc, d'ici la semaine prochaine, nous terminer sa première phase plantée là. Et en même temps, moi, malgré avec un petit peu de pression, moi, on virait merci à quatre communautés qui travaillent avec nous là. Mais aussi, un gros travail à faire et l'avenir pour donner nos raisons, pour une action qui nous peut prendre aujourd'hui. L'île Rodrigue compte une couverture forestière totale d'environ 3000 hectares. L'objectif du projet de restauration est de changer environ un tiers des forêts en forêts endémiques, et ce, sur une période d'environ 10 ans. À noter qu'un projet de restauration de forêt avait démarré en 2013 par les services de forêt. Cependant, au fil des années, l'approche participative et communautaire a été adoptée dans la réalisation du projet. Chaque année, une dizaine de communautés est engagée dans le projet. Une vingtaine de personnes de chaque communauté bénéficient d'un contrat d'une durée de 3 mois pour la mise en terre des plantules. Avec la mise en œuvre du projet de restauration des forêts dans l'île, on s'attend à retrouver à Rodrigue des forêts comme il y en avait dans l'île avant l'arrivée des hommes. Un projet qui risque de prendre plusieurs années, mais dont on se rapproche chaque année.